Yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FIFA 17 en mode Ultimate Team. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique d'achat-revente plutôt sympa pour petit, moyen, grand budget. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la technique fuite millionnaire. La technique fuite millionnaire, elle est très connue parce que vous pouvez investir peu, c'est-à-dire peu de crédit. Et vous pouvez amasser énormément de crédits, tout comme moi. Je vais vous montrer mon bénéfice de transfert. Voilà, 158 000 en une semaine à peu près, même moins, en 5-6 jours, un truc du genre. Sans plus attendre, je vais vous montrer comment acheter vos joueurs. On va prendre un exemple, on va prendre Dembélé comme exemple. Non, allez, Mané marche très bien. Même sa version non-up. Donc voilà, donc vous allez prendre Mané. Donc vous inquiétez pas, dans la description je vais mettre des joueurs, il y a pas de souci. Vous mettez son prix je crois il coûte 2300. Voilà. Alors bien évidemment il faut prendre 7 contrats minimum avec 95 de forme et un style. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que pour Mané, voilà, je regarde s'il y a un joueur en AVD. 2300, vous rachetez 1000 de plus. Si vous voulez que ça devende plus vite, vous pouvez les mettre à 700, 800, mais vraiment pas moins, parce que sinon le bénéfice, le plus-value va être très très bas. Et c'est pas notre but, nous, c'est de faire plus crédit. Et donc voilà. Donc par exemple, oh merde. Donc 2300 avec la petite gâchette R1, ça rajoute 1000 de plus. 3300, voilà. Voilà, c'est nickel. Ouais. Cette technique elle marche vraiment très bien. Voilà, moi j'ai mis la pile à 100. Si vous avez entre 100 et 200 000 crédits, même beaucoup moins, vous pouvez commencer avec 20 000, 30 000 crédits. Mais si vous avez plus de 100 000, voire 200 000, vous pouvez investir comme moi avec une pile à 100. Et vous allez voir, chaque heure, vous allez au moins vendre 5 joueurs. Rien que ça, ça fait 5 000 de bénéf. Donc par jour, vous pouvez aller prendre 5 000 de plus-value. Et c'est pas négligeable, comme on dit, c'est bon à prendre. Donc voilà, je vous montre les joueurs. Vous pouvez screen avec vos téléphones, je sais pas comment vous regardez la vidéo. Donc là, je vous montre les joueurs. Il y a du Coman, du Bruno Pérez, du Clichy, du Mané, enfin du Sané. Il y a aussi du Mané, Batshuayi, Renato Sanchez, Morata, Klein. Et puis voilà, c'est les joueurs qui marchent le mieux avec moi. En fait, moi je vais vous mettre la liste d'un youtubeur qui fait des vidéos d'achat-revente. Qui s'appelle Cloppy Boys, et il a fait une liste récemment qui marche très bien. C'est une liste qui date de janvier, je crois. C'est toujours récent, mais comme quoi ça marche toujours, même depuis janvier. Il y a du Harry Kane, enfin voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 10 pages de joueurs à vendre. Voilà, c'est cool. Si je vends tout ça, je dois me faire au moins 100 000 de BNF, même 200 000. Enfin je sais pas, mais je dois me faire minimum 100 000 de bénéfices. Et puis voilà, donc après avoir fait mon bénéfice voulu, je vais faire cette équipe. Elle a l'air plutôt pas mal, je pense. Avec du Carrasco 88 qui coûte environ 150 000 crédits, j'ai vu. Il y a moyen de l'avoir pour moins cher encore. Du Benteke, 150 000 aussi. Voilà, on voit au prix, voilà, 150 000. Et encore, il risque de baisser parce que je pense qu'il va encore avoir des cartes boost. Il y a moyen, vu comme il est chaud cette saison à Crystal Palace. A droite, Arnautovic, 87, il coûte vraiment pas cher. Il coûte très peu de crédits, 80 000. Je l'ai vu à 76 000 crédits. Ça va encore baisser, je le sais. Et puis voilà, j'ai mis du Gamero SBC. Voilà, au début, je voulais me faire une team avec du Buffon, etc. Mais c'est vraiment chiant le casette, parce qu'à chaque fois, je vais faire des équipes hors Serie A. Voilà, par exemple, là, et là de le mettre, ça aurait été chaud. Quoique j'aurais pu mettre à la place de Farman Buffon et les deux centraux, les deux défenseurs centraux, je sais pas, mettre du Barzagli et du Chiellini, mais je préfère tester. Voilà, j'ai envie d'acheter Homeless Owedes, pardon. Il y a une carte de malade pour 40 000 crédits à peu près. On va voir ça. Ouais, pour 35 000. Ouais, 32 000 carrément. Ouais, comme quoi il coûte très peu cher. Il a des stats de malade. Avec Hummels à côté, ça va faire une brochette vraiment parfaite, un duo énorme. Là, ça va être costaud. Mais par contre, lui, je le mettrai une carte,
plus quoi comme carte qui rajoute 3 de physique, mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça marche. Moi, je vais vous faire défiler. Maintenant, je vais vous faire défiler toutes mes ventes. Mais vous allez voir, vous inquiétez pas, ça va se vendre. Il n'y a pas de risque. Vraiment, de toute façon, vous voyez que ça se vend pas, vous le mettez au prix de base, sans plus cher, vous n'allez pas perdre de crédit. Par contre, faites attention qu'il n'y ait pas de SBC, de défi création d'équipe par rapport aux joueurs que vous voulez acheter. Parce que les prix vont augmenter. Et si vous achetez des joueurs pendant ce défi-ci, et bah pour les revendre, ça va être chaud. Surtout si le défi il se stoppe juste après. Donc vous allez avoir des joueurs qui coûtent largement plus cher que de base quoi. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire celle-ci, de l'avoir faite. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et puis je vous dis ciao. Baking pancakes, making bacon pancakes. Take some bacon and I'll put it in a pancake. Baking pancakes, that's what it's gonna make. Bacon pancakes. Baking pancakes, making bacon pancakes. Take some bacon and I'll put it in a pancake. Baking pancakes.